titan, nom féminin invariable. Définition, dans plusieurs sports d'équipe, chacune des parties d'un match séparée l'une de l'autre par une période de repos. Alors bienvenue dans le mi-temps, bienvenue dans l'espace sans médiatique, sans artifice, sans langue de bois, où la sincérité est le fil conducteur de l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter, de recevoir Monsieur Karim Benzema. Comment ça va Karim ? Ça va et toi ? Très très bien. Bien. Alors est-ce que tu me promets de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que rien ne t'y oblige ? Promis. C'est parfait alors. Bon, on est ici à Madrid, on va dire dans ta cour. Comment ça se passe déjà, ici ? Ça se passe bien, on est dans un grand club, qui est pour moi le plus grand club du monde. Donc voilà, un grand club, une grande équipe, et voilà, dans un bon club. T'as tes repères aujourd'hui, actuellement ici ? Ouais, bah oui, ça fait ma sixième année maintenant, donc j'ai tout ici. Déjà 6 ans ? Ça fait 6 ans, ouais. On s'en rend même pas compte. Ça fait 6 ans, donc ma famille, et je suis là, je suis bien, et puis voilà, ça se passe, et ça y est, je suis un Espagnol. Espagnol ? Tu parles espagnol ? Ouais. Très bien ? Très bien, bon, ça va alors. Je ne parlerai pas espagnol avec toi, parce que moi, c'est pas cohérent. Sinon, à part ça, donc on va recommencer du départ. Bon terrain. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Bon ? Bah, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai grandi. Quand je repars à Lyon, je vais là-bas. Voilà, mais là où j'ai commencé le football, là où j'ai commencé tout, il y a tout ce qui s'est passé, toute ma famille, mes amis, c'est tout. T'as encore tes repères, bon, quoi. Franchement, je vais te dire un truc, dès que je rentre à Lyon, c'est bon, c'est là où je me sens le mieux. Donc on va dire que c'est tu te ressources quand t'as besoin d'un petit truc, franchement, pour te sentir bien, tu retournes à Bon. Ouais, je reviens là-bas, juste le fait de revoir des personnes ou tu vois, des potes à moi, je rigole, ça me donne mon sourire tout de suite. Et justement, l'amitié, qu'est-ce que ça représente pour toi parce que dans le football, on parle de plein de choses, la réussite, etc. Mais l'amitié, qu'est-ce que ça représente ? Bah, faut avoir un ami. Moi, j'ai un ami, un vrai ami. Après, le reste, c'est tous des potes. Mais quand je les vois, je suis content. Et voilà, non, c'est bien. C'est vrai que c'est pas comme dans le foot. On a toujours nos amis proches. Et puis voilà, moi, comme je le dis, moi, c'est beaucoup de choses pour moi. Ça compte énormément. Donc, t'as commencé à jouer au foot à Bron. Et à l'époque où t'as commencé, est-ce que tu pensais un jour arriver ici, au Real ? Franchement, non. Au départ, non. Parce que pourtant, je te coupe, quand moi je t'ai connu, bon, c'était un peu plus âgé, t'avais l'air vraiment déterminé. Ouais, mais plus vers 16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé avec le groupe pro. Mais au départ, plus petit, voilà, je jouais dans mon quartier, et moi, mon seul rêve, c'était d'être professionnel à Lyon. Pas au Real. Mais après, lorsque j'ai grandi un peu plus, là, je me suis mis sur le Real. T'as cru en toi, en fait ? Toujours, depuis tout petit. Après, j'ai eu la chance aussi que mon père et ma mère étaient derrière moi. Et puis voilà, après, j'ai rien lâché. Ouais, c'est beau, parce que moi, j'ai des petits souvenirs quand t'as vu arriver dans le groupe. Ah, bon. Ton discours, il a été un peu... Bah, il nous a fait peur. Je vous avouerai qu'il nous a fait peur. Mais bon, t'avais l'air... On sentait que tu savais où tu voulais aller. Non, c'est sûr. Non, franchement, la première fois que j'étais dans le groupe pro, bah, j'étais timide, t'as vu. Et voilà, moi, c'était un rêve que je voyais toi, ou Wiltord, ou Abidal, ou Juninho. Tu vois, c'était un truc de fou. Donc voilà, et puis dès que j'ai commencé à m'entraîner avec vous, après voilà, j'ai dit bah moi aussi j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie d'être titulaire. T'as vu comme t'es pas si forcé en fait. Non, t'es fou toi, t'es fou. Non, c'était une grosse équipe, j'ai progressé direct. Non, parce que c'est intéressant, parce que bah, pour l'anecdote, j'ai habité aussi à Bron, et je me souviens, on me parlait d'un petit qui jouait en bas, là, ah ouais. À Bron, on m'en a parlé. Des amis à toi, je sais pas si tu les connais encore aujourd'hui, qui me parlait d'un petit Karim qui jouait en bas. Si, j'ai des potes qui te connaissent, c'est sûr. Après, non, comme je dis, hein, de toute façon, voilà, moi j'ai pas eu la vie facile, je dirais. Tu vois, c'était difficile, mais j'ai rien lâché, puisque déjà mon père était toujours derrière moi. Ça fait que j'avais pas le temps de traîner, tu vois, de faire la fête avec mes potes. Et puis voilà, c'est grâce aussi à lui. Est-ce que tu as eu un petit. Aujourd'hui, est-ce que tu sens revanchard par rapport à ces choses-là ? Franchement, je suis content d'avoir réussi par rapport à tous mes potes qui, eux, s'ils auraient eu la chance de, tu vois, d'avoir ne serait-ce juste leur père ou un frère derrière toi, tu vois, ils auraient pu réussir parce qu'il y a des talents. Donc à chaque fois que je joue ou tu vois, que je marque un but ou que je fasse des différences dans mon club, bah, je pense direct à mon quartier. Donc en fait, quelque part, tu dis quelque chose aux gens, on dirait que grâce à ta famille, ça t'a permis de réussir. Ah, c'est sûr. Moi, franchement,
Je pense qu'il n'y aurait pas eu mon père derrière moi. Je pense qu'aujourd'hui, je serais pas à ce niveau-là. Voilà. Après, voilà, c'est sûr, faut avoir sa famille. Et après, bon, on va partir sur autre chose. Karim, vrai timide ou pas? Timide, parce que quand je connais pas. Question. Non, quand je connais pas. Quand je connais pas, timide, un peu froid. Mais après, bah, tu me connais maintenant. Après, oui. Voilà, après, moi, je te connais, mais les gens te connaissent pas. C'est sûr. Non, quand on me connaît et qu'on rigole, après, on voit que voilà, c'est pas du tout le même Karim qu'on peut prétendre. Qu'on imagine, en fait. C'est sûr. Bah, c'est sûr, si on me croise comme ça dans la rue, je suis froid, je suis pas trop ouvert, tu vois, je suis plus dans mon coin. Mais après, tu vois, c'est autre chose. Et après, bon, tes débuts à Lyon, qu'est-ce qui t'a marqué dans tes débuts à Lyon? Moi, j'ai des anecdotes sur toi. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué quand t'as commencé? Qu'est-ce qui m'a marqué à Lyon? J'ai eu tellement de choses. Non, on va dire les premiers entraînements, après les premiers voyages en Ligue des Champions, tu vois, parce que moi j'étais encore au centre. Ça fait, je jouais avec les pros, après j'allais au centre. Ça veut dire, je m'ai raconté un peu, tu vois. Donc des choses comme ça, c'est surtout ça, c'est mes premières années avec vous. Quoi. Et ce côté, parce que quand on discute de, bon, on va parler plus football, ton positionnement sur le terrain. Moi, bah, j'adore ta façon de jouer. Je pense qu'on est tous fans de Karim Benzema actuellement. Mais est-ce que tu te considères... Quel sort d'attaquant tu te considères? Je peux pas dire moi je suis un attaquant de pointe, parce que je peux le faire. Je peux être attaquant de pointe, mais tu vois, j'ai grandi avec Zizou, Ronaldo, Figo, le jeu un peu, tu vois. Mais comme j'ai envie de dire, des vrais joueurs de foot. Des très grands joueurs. Et en plus, à l'époque de Lyon aussi, ça jouait au ballon. Donc voilà, avec ce niveau technique, moi j'aime le beau jeu, efficace. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, je vais être devant la cage où je peux tirer. C'est pas sûr que je vais marquer. Je préfère donner un bon ballon, tu vois. Bon, on est d'accord. En tout cas, c'est une chose qui plaît à tout le monde. Enfin, moi qui me plaît. Et c'est ça, en fait. Parce que de temps en temps, on a pu te critiquer. Ouais, c'est pas un vrai buteur, etc. Moi, je dis souvent, ouais, c'est un joueur. C'est un grand joueur. Et pour moi, il vaut mieux être un grand joueur qu'un buteur. Après, ça concerne que moi. Ouais, non, c'est le foot. Moi je suis pareil. Moi j'aime le jeu. Et, tu vois, c'est comme ça. C'est depuis tout petit. Et j'ai toujours aimé ce jeu-là. Et je vais pas changer. Après, je peux m'améliorer sur mon efficacité, bien sûr. Mais je vais rester dans le jeu. Après, aujourd'hui, bon, bah, t'es à Lyon. Tout ce que t'as fait à Lyon. Madrid. Le passage de Lyon à Madrid. Il a dû se passer quelque chose, quand même. Franchement, ça a été super difficile. J'étais grave content parce que j'ai signé à Madrid, c'était mon rêve. Mais après, super difficile. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai quitté ma famille, mes amis. À Lyon, j'étais un peu, tu vois. Voilà, c'était. Il y avait tout le monde avec moi. Je suis petit lyonnais, tac-tac. Je suis arrivé ici, tu vois, c'est un grand club, que des stars. Et voilà, j'étais. Franchement, je vais pas te mentir, au départ, j'étais perdu. Les 6 premiers mois, parce que j'étais tout seul à l'hôtel. Tu vois, ma famille, elle pouvait pas venir. Mes amis non plus. Donc voilà, ça a été difficile. Parce que je pense Mais au fond, moi, j'étais fier de moi. Les gens n'imaginent pas. Hein. Tu étais à Lyon, pour un grand club français, européen, on va dire. Et tu arrives à Madrid. Donc t'es proche dans une sphère que même on peut pas comprendre. Il y a ouais, c'est... Qui vivre. Non, franchement, c'est une autre dimension. C'est tout. Le vestiaire, quand tu vas au stade, quand tu es dans la rue, tu vois, c'est. Lyon, c'était un grand club. Mais là, c'est franchement, c'est au moins x10. Alors, est-ce que tu es redevenu le Karim timide ou pas? Ouais, bah oui. Je parlais pas la langue. Je comprenais rien du tout. Ça a été difficile quand même, ça a été compliqué. Mais au fond de moi, tu vois, j'étais content. Et après, j'ai toujours eu l'appui aussi du président. Donc voilà, quand t'as le président derrière toi, après, bah, tu peux que progresser. Et moi, j'ai identifié ton arrivée à Madrid en 3 étapes, j'ai envie de dire. Tes départs, bon, t'as joué plus ou moins bien. Et t'as eu vraiment, comme j'ai envie de dire, une métamorphose physique. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est à Lyon, je sais pas si j'en avais besoin ou pas, mais je travaillais pas, tu vois, physiquement, que ce soit muscu, ouais. Du haut, du bas, ou, tu vois, des trucs comme ça. J'avais peut-être pas l'habitude ou je sais pas. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu les joueurs, tu vois, les contacts et tout, c'est pas la même chose. Donc j'ai pris un peu de retard là-dessus au départ. Sur les soins aussi, les choses comme ça, tu vois. Ou à Lyon, je le faisais pas. Et puis ici, voilà, après, j'ai commencé à travailler, puis après, voilà, j'ai changé. Donc, on va dire aujourd'hui, t'es plus un jeune. Donc,
Moi, j'ai envie que tu dises à certains jeunes actuels qui sont des très bons joueurs, qu'est-ce qui a fait la différence? Il faut leur expliquer ce qui a fait la différence. Ah, ce qui a fait la différence, après, c'est le changement. C'est le changement de tout. C'est comme le corps humain, c'est comme une voiture, comme ta voiture. Tu vois, si t'as une Ferrari, tu mets du diesel, la voiture, elle va exploser. Donc voilà, non, faut... C'est beaucoup de travail. Hein. T'as appris ce que c'était de travailler. Ouais, de travailler, de souffrir. Ouais. T'as souffert quand même. De fou. Oui. Abusé. Tu t'es fait mal. Franchement, ouais. À Lyon, c'est pas pareil. À Lyon, tu vois, c'était tranquille. Des acquis. Voilà, c'était tranquille. Mais là, ouais, j'ai souffert. Ouais, c'était dur. Et après tout ça, voilà. Après à Madrid, aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire que tu marches sur l'eau. L'équipe de France. Parce que moi, quand je te vois jouer en équipe de France, c'est un kiff. Aujourd'hui, bah, je suis content, bah, comme je dis à mon fils, hein, je fais une petite dédicace pour lui. Je suis content, bah, parce qu'il t'adore. Je te dis, il t'adore. Ah oui, il parle que de Benzema à la maison. Et j'ai dit, voilà, regarde, Karim, c'est un kiff de devoir jouer. Et t'aurais pas envie d'être un peu, par moment, un peu plus tueur, justement, dans cette équipe de France? En fait, la différence, en fait, c'est que tu vois, c'est. Bah, t'as joué, tu vois, c'est pas pareil. On se voit pas tout le temps, tu vois, on n'a pas les mêmes repères. Et c'est pas la même équipe, et c'est pas les mêmes joueurs, tu vois, c'est pas les mêmes appels. Tu vois, par exemple ici, si je décroche, il y en a deux qui prennent la profondeur, qui sont dans mon poste, tu vois. En équipe de France, par exemple, si je vais décrocher, tu vois, les joueurs, ils sont habitués plus à rester sur les côtés. Tu vois, ça veut dire que ça va tout régler. J'aimerais faire de meilleures prestations des fois, marquer plus de buts. Mais après, c'est difficile, c'est pas... Donc, t'as envie de dire facile. Quelque part, t'as envie que l'équipe de France joue pour toi, parce que moi, je suis persuadé que si elle joue pour toi, elle sera plus performante. Ouais, ouais. Moi, franchement, je joue pour les autres. Je joue pour les autres. Mais après, ouais, il faut... Ouais, peut-être. Si, je sais pas. Je sais pas si l'équipe de France a déjà joué que pour moi. Elle a déjà joué pour certains joueurs. C'est vrai. Mais après, il y a beaucoup de jeunes joueurs, tu vois, on a une bonne équipe. Mais après, c'est sûr que... Je fais pas les mêmes prestations qu'à Madrid. C'est pas par l'envie. Moi, je sais que quand je vais en équipe de France, tu vois, je suis à 100% et j'essaye. Tu vois, même si c'est pas la même chose, j'essaye. Je me donne à 100%, je tente des choses, mais c'est pas la même fluidité. Ouais, c'est pas pareil. Ça reste une équipe nationale et une équipe de France. C'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Après, ouais, pourquoi pas. Je veux plus pour moi, pourquoi pas. J'aimerais bien. Je pense qu'on aimerait tous. Et dans cette équipe, tu te considères comme quoi? Un taulier? Un joueur? Ou. Est-ce que tu as une parole forte dans cette équipe? Moi, je parle pas en dehors du terrain, en fait. Tu vois, j'aime pas parler pour rien. Reste toi-même. Ouais, non, en fait, j'aime pas parler pour rien. Je suis là, dire quoi aux joueurs. Ouais, les gars. Parce qu'on aimerait bien, de temps en temps. Ouais, mais pour moi, franchement, en fait, je prends exemple sur les joueurs d'ici. Tu vois, que ce soit Ramos ou Cristiano, du capitaine, les choses comme ça. C'est pas de dire à un mec, allez les gars, tu vois. Ça a rien à voir. Après, quand on est sur le terrain, faut parler sur le terrain, tu vois, de donner des conseils, de parler à la personne qui est à côté de toi ou derrière, d'avancer, des choses comme ça. Sur le terrain, je le fais. Tu peux demander à tous les joueurs. Un leader de terrain. Quoi. Sur le terrain, oui. Par ton envie, par ce que tu vas faire sur le terrain de foot. Sur le terrain, oui. T'emmènes quelque chose. J'apporte beaucoup sur le terrain, tu peux demander aux joueurs. Bah non, mais ça se voit, on est tous d'accord par rapport à ça. Et encore une petite dernière question qui me dépile, comme on dit. Ton frère. Ouais. Est-ce qu'il était si fort que ça? Est-ce qu'il est plus fort que toi, comme tu as pu le dire? Le tout petit, bah là, il a arrêté le foot. Il a arrêté le foot, malheureusement. Je remets le contexte, tu m'avais dit. Mais, sérieux, franchement, à son âge, ouais, il était beaucoup plus fort que moi. Je dis pas plus fort, je dis beaucoup plus fort que moi. Beaucoup plus fort. Mais après, le pauvre, tu vois, là, il a arrêté parce que, voilà, vu que je suis devant lui, je suis connu, c'est difficile pour un petit. Mais, à son âge, ouais, il était... Merci beaucoup en tout cas. Ouais, donc, et une dernière question. Après Madrid, ouais. Tu te vois où? Au foot? Bien sûr. Franchement, moi je reste à Madrid. Parce que pour moi, je regarde, tu vois, tous les clubs, toutes les équipes, et pour moi, il n'y a pas plus haut niveau qu'à Madrid. C'est personnellement, c'est ce que je pense. Pour toi, ici, t'es dans une sphère où tu peux t'épanouir jusqu'à. Bah ouais, je peux. Franchement, je peux rester jusqu'à. À l'heure actuelle, tu te vois pas? Non. Non, en plus c'est le beau football, c'est grand stade, beau stade, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup Karim. Moi, merci. Merci de m'avoir accordé ça. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. De fou. Bonne continuation à toi. Merci. Et plein de bonnes choses comme ça. Merci. Ouais. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté
Vive mon Sim, Karim Benzema, et à bientôt pour une prochaine mi-temps.